Et bonjour à tous et à toutes, c'est le Kilosat 166 pour l'épisode 13 ou 12, je sais plus, excusez-moi, je suis perdu, sur Spider-Man. Quand Mook arrivera, il me dira plus en détail. Je vais bien, moi ça va très bien. Alors j'ai fait des recherches à la fin de l'épisode précédent, et donc cette tour, dont je vous disais que c'était la fameuse tour du World Trade Center, après qu'il l'ait refaite. Attendez, mais je suis où? D'accord. Faut que je la retrouve. Donc, cette tour là, voilà, qui est la plus haute tour du jeu. Je disais dans l'épisode précédent que c'était le One World Trade Center, donc la Freedom Tower, c'est son autre nom. En fait, c'était le cas. Après, j'ai vu des photos, elles lui ressemblent pas du tout. Mais c'était le cas dans les premières versions du jeu, ils avaient prévu de faire la Freedom Tower. En fait, faut savoir que toutes ces constructions là, les constructions les plus importantes, celles qui sont reconnaissables en fait. Ok, Wook, cet homme est fou. Vu qu'il ne stream pas. La seule fois qu'il a streamé, c'était pour One Try l'Orphelin de Kos. Bref, pas la question. Donc faut savoir que cette tour en fait n'est pas du tout la vraie Freedom Tower. Ils n'ont pas eu les droits. C'est, je crois, la seule tour du jeu pour laquelle ils n'ont pas eu les droits. Parce que pour ce qui est du World Trade Center, c'est clairement le. Pas le World Trade Center, l'Empire State Building, le Chrysler Building. C'est clairement les tours telles qu'elles ont été designées, mais pour celle-ci. Pour celle-ci, c'est bel et bien. C'est bel et bien la tour. Enfin, pour celle-ci, ils n'ont pas eu les droits, donc ils en ont inventé une en fait. Ils l'ont légèrement modifiée, mais du coup, elle ressemble pas à ça en vrai. Je sais pas si Star Bells va venir ce soir, mais normalement, il n'y a pas aussi une tour des 4 fantastiques, Mook. Je sais pas si tu connaissais. J'ai pas l'impression qu'il y ait la tour des 4 fantastiques dans ce jeu, ou je l'ai raté. Bref, on va avancer un peu l'histoire. Salut Oxstar, merci pour le follow, hein. Je sais plus où on en était exactement. Qu'est-ce que tu fous ici? Ah oui, c'est vrai, on doit aller chercher le gamin. Il est costaud, ça. Tu viens de faire une grave erreur. Hey Shadow. Vous n'êtes pas un peu trop nombreux pour vous en prendre un ado. Ah oui, carrément. J'ai 170 points de vie maintenant, bah putain. Ça va? 31, 33, je sais plus. Vous êtes Spider-Man. Vous êtes l'incroyable Spider-Man. Le spectaculaire Spider-Man. Tu utilises des adjectifs plus flatteurs que Jameson. Écoute, t'as été courageux. Mais la prochaine fois, faut laisser faire les pros. Ok? Ok. Et si les pros sont pas là? Non, tu peux pas te jeter comme ça sur des types qui font deux fois ta taille. Enfin bon, moi je dis ça. Ça m'arrive souvent de combattre plus fort que moi, mais tu vois, dans ces cas-là, je... Ouais, une fois vous avez affronté le Rhino sur le pont de Brooklyn. Ah, c'était trop génial. Très bon exemple. Si l'ennemi est plus fort, il faut être plus rapide. Ok? Je sais, mais c'est facile à dire pour vous. Désolé, mais moi, je suis pas comme vous. Allez, mets-toi en garde. Sérieusement? Ouais, vas-y. L'important... C'est de toujours rester calme. On inspire, on expire, on se détend. Les hanches face à l'ennemi. Ce costume est tellement stylé. Quand il attaque, tu bouges tes pieds, et quand ils sont déséquilibrés, tu cherches une ouverture. Bam! Comme ça? Ouais, voilà, c'est bien. Ok, allez, cette fois. Bah, t'as fini le jeu. Dans la mâchoire. Ok. Ok, vas-y. Oh, oh mince. Pardon. Ah, non, non, non. Non.
Pas de problème. Continue comme ça et tout ira bien. Bon, fin de la leçon, je dois y aller. Merci. Mais apprendre un gamin à se battre contre des malfrats, est-ce que c'est vraiment une bonne idée? En tout cas, t'es stylé cette cinématique. Et la tenue, le costume que j'ai. J'ai frappé Spider-Man. Ah, on va jouer le petit gosse, le sale mioche. Le refuge devrait être droit devant. Yo Miles, ça va? Oh mon pote, tu vas pas me croire! Je viens de rencontrer Spider-Man! Quoi? C'est dingue! Eh, tu lui as montré notre appli de piratage? Oh non! J'ai complètement oublié! Oh, t'assures pas! Il te l'aurait forcément acheté et on serait devenu célèbre! Ouais, je lui montrerai la prochaine fois. Faut que j'y aille, j'ai promis à ma mère. Sortez que je serai pas en retard. Ok, à plus alors. Mais c'est pas vrai. Ça va mettre des plombes. S'il n'y avait pas ce drone, je passerais par-dessus la barrière. Ouah, c'était trop facile. J'y crois pas. Les systèmes de SAM, c'est vraiment une passoire. Je me demande si je devrais pas leur envoyer un petit tuyau anonyme. Ok, petite appli de piratage. Ne laisse pas tomber. Je pourrais peut-être déclencher cette sirène. On va passer. L'échafaudage devrait m'aider. Encore des drones? Je dois les désactiver. Oui, merci. Ces drones-là sont armés? Mieux vaut pas me faire repérer. Tout ça pour aller au taf, hein. Là, ils plaisantent pas, eux. Il m'a même pas calculé? Je m'en suis sorti. Eh ben. Hey, salut maman. Salut mon chat, ça va? J'ai bien arrivé au refuge, fils? Ouais, j'y suis presque. Mon chéri. Tu n'es pas obligé de travailler à ce refuge, tu sais. T'as dit que je devais? Non, je t'ai laissé le choix. Ouais, ça vaut toutes les séances de psy. Enfin, je veux dire, ça m'a aidé, hein. Le gars me dit qu'on vit pas tous le chagrin de la même manière. Moi, c'est ça ma manière. Très bien, désolé. Maman. Oui? C'est pas parce que j'ai pas envie d'en parler que je t'aime pas. Oh, mon chéri, je t'aime tellement. C'est un bon petit gars. D'accord. Je dois y aller. Moi, ce qui me fascine, c'est que la majorité du jeu, on le fait entre les immeubles. Hein. À voler, etc. Pardon pour le petit rototo. Mais quand t'es dans la rue, c'est magnifique et il se passe des trucs, quoi. Cet amour du détail, c'est ce qui change tout dans un jeu. C'est ce qui fait qu'un très bon jeu devient un jeu exceptionnel. Bon, après, lui, il n'est pas, peut-être pas exceptionnel parce qu'il a, je pense, quelques défauts au point de vue de l'histoire, tout ça. J'avoue que j'arrive pas à rentrer dedans, vraiment. Ah. Bon, respirez calmement. Je reviens, monsieur Hodges. Salut, Miles. Peter. Désolé pour le retard. Non, c'est rien. Je suis content de te voir. D'accord. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Tu pourrais commencer par te familiariser avec le centre. Parler à des gens. En distribuant du café. Café, ok. Et je passerai te voir pour vérifier si tout va bien. D'accord? Ouais. Oh, t'en fais pas pour monsieur Hodges. Il mord pas. Enfin, pas trop. Café? Merci. Tu peux aider? Non, si tu peux me dire ce que c'est qu'un quark. C'est une particule subatomique. Ce sont les éléments constitutifs des protons, des neutrons, des hadrons. Subatomique. Ça rentre? Bien joué, petit. Oh, c'est de la camelote. Oh, saleté! Mais pourquoi ça marche pas? Je peux jeter un œil? Hein? On a des tubes cathodiques au lycée. Je sais comment ça se tubes répare. Tubes cathodiques quoi? Non, non, suffit de taper dessus deux, trois fois. Et ça repart! Ou il y a un faux contact, peut-être. D'accord. D'accord.
Eh ben vas-y, essaie, hein, monsieur le petit génie. Allez, à toi de jouer. De nombreux hommages ont encore été rendus à l'agent Jefferson Davis, le héros tué lors de la... Oh non, mon petit loup. Il aurait utilisé son corps comme bouclier pour protéger des gens de l'explosion. Hé, hey, nouveau, je suis à sec. Un héros, il a rien fait d'héroïque, il s'est juste fait sauter. Ah, Ernie, je vous présente Miles. Il vient donner un coup de main. Vous avez dû entendre parler de son père, Jefferson Davis. Ah. Tout ce qui lui arrive en ce moment, c'est plutôt sympa qu'il soit venu nous aider. Pas vrai? Ouais. Merci. Écoute, gamin, je suis désolé pour ton père. Bien, Miles. Ma tante a besoin d'aide en cuisine. Oh, c'est des gros sandwichs, ça. Des bons gros sandwichs de jeux vidéo. Je vais devoir y aller, mais... J'ai amené des renforts. Ah, Miles, je suis ravie de te voir. Viens, mets un tablier, lave-toi les mains et je te fais visite. Hey, Peter. Merci pour ce que t'as dit là-bas. Pas de quoi. Il est presque midi. Sable va déplacer le docteur Michaels. Il faut que j'aille à la Bowery pour le retrouver. Shawn Michaels. Les terres sont un peu vieilles. Oh, pas de soucis. Peter. Fais attention à toi. Miles dit que les patrouilles de sable sont extrêmement strictes. Putain, j'ai déjà bu tout mon coca. C'est les soirs du club de robotique. Non, t'en fais pas. Tes études passent avant tout. Tente même à parler de tes parents et donc le Ben. Je suis désolé de m'être énervé à l'enterrement. Y a pas de problème, Miles. Et si t'as besoin de parler, hésite pas. C'est vraiment un good guy. Non mais vraiment. Pas trop au type de sable. Il plaisante pas. Salut Pete. Tante, c'est une sacrée bonne femme. Tu parles de ma tante. Formidable. Je vais te tabasser moi. Moi j'ai pas peur moi. Non mais c'est le vrai gars sympa. C'est-à-dire, ce genre de mec super sympa comme ça dans la vraie vie, il y en a pas beaucoup. Ah parce qu'ils ont pas tous des pouvoirs d'araignée. Ils ont pas des tenues en spandex aussi stylées. Enfin, regardez-moi cette tenue, elle a tellement de détails. Je pense que c'est vraiment... J'ai craqué, j'ai regardé toutes les tenues du jeu hier. Avant d'aller me coucher. Il y en a aucune autre qui me plaît. À ce point-là. En vrai, si on regarde déjà, je crois que j'ai déjà toutes celles qui pourraient me plaire. Celle-ci, elle me... Non, c'est pas celle-là, pardon. C'est celle-ci. Mais j'aime pas trop la texture, mais je la trouve assez stylée. Il y aura une autre armure plus tard aussi. Celle-ci, je la trouve dégueulasse. Celle-ci, je la trouve très stylée. Vraiment, celle-ci, elle me plaît aussi beaucoup. Non, dégueulasse. Bon, ça va pour le moment. Non, on a une autre, je crois, que j'ai vu qui me plaira, mais... Salut Yuri. Je me rends dans le Bowery pour m'assurer que Michael sera bien à l'abri dans son nouvel abri. J'éviterai à votre place. Silver Sable a été très clair. Vous n'êtes pas le bienvenu. Ouais, bah qu'est-ce qu'elle va me faire? Me tirer dessus? Honnêtement, il y a 50% de chance. Ah, ok. Je serai dans les environs, mais pas trop près, au cas où. Quartier de la Bowery. Et où est le Dr. Michaels? Dr. Michaels. Il y a tel autre Michaels qui est connu tant. J'ai Shawn Michaels, c'est... Michaels. Je sais plus. C'est le souffle du diable? C'est le GR27, pas... Faites-y attention! Entre de mauvaises mains, les risques... Rassurez-vous, nous sommes les meilleurs au monde. Je me sens déjà bien mieux. Code 381, le paquet est en route. Par ici, Dr. Michaels. Qu'est-ce qui se passe? Les meilleurs au monde. Bande de plots, va. Des vraies merdes, ouais. Oh, les meilleurs au monde, ils se font martyriser, quoi. Martyriser. Oh, ils sont où?
Ah, t'es content d'avoir fait appel à eux, hein? Enfin, que Oscorp ait fait appel à eux. Tiens, Mook, t'as vu le châssis? T'en penses quoi? Ah, c'est... Ses sourcils ont spawné. Bienvenue à bord, docteur. Non, mais voilà, je savais que t'allais me troll avec ça. C'est une Nissan? Me touche pas, tout est sous contrôle. Ah oui, je vois ça. Ouais, moi j'ai pleuré 30 minutes. Yuri, je suis à la poursuite de Martin Lee. Je crois qu'il détient le docteur Michaels et le souffle du diable. Bien reçu. Je vous envoie des unités. Je garde Michaels en vie. C'est bon signe. Sans doute pour forcer à fabriquer plus de souffle du diable. Ah. Oh, c'est stylé ça. Ce tank, un souffle, quoi. Exagère pas. Ils sont combien dans ce tank? Fini? Non mais oh! Bah après, moi il y en a un vraiment que je trouvais très dur. Les autres, ça a été le temps d'apprendre le. Ça a été le temps d'apprendre le trajet en fait. Wow! C'était pas très malin ça! Putain, Peter! Non! Dans ta gueule! Hey, cessez le feu! Je sais même pas où je suis, je comprends rien. Cible perdue, rattrapez-la! Il arrive! Il arrive! Et il punira tous les pêcheurs! Oh, ce genre de plan iconique! Lee, donnez-moi ça! Ça sent le mauvais plan, ça. Qu'est-ce qui se passe? Pour être honnête, j'espérais te conduire ici. Mes capacités me confèrent un certain pouvoir de persuasion. J'ai eu le temps de t'observer. Je t'ai attendu à l'hôtel de ville. Enfin, où étais-tu passé? C'est réel ou c'est dans ma tête? Ces fâcheux, tous ces innocents qui sont morts, sans héros pour voler à leur secours. Ce policier t'a sauvé la vie, je me trompe. Il était là à cause de toi. Et Norman qui voulait se servir de lui. Un réflexe futile, en fin de compte. Et où était Norman pendant tout ce temps? Il se défilait comme un rat. Il savait ce qui allait se produire.
et il s'est enfui. Norman est comme une tumeur qui... Oh merde, je suis allé un peu vite, pardon. Il faut la retirer avant que le mal ne se propage. Ah mais... Norman se cache derrière un masque de mensonge. Je le ferai voler en éclats. Ça c'est vrai. Pour le révéler au grand jour. Norman c'est un salaud, mais... Enfile ce masque. Tuer autant de gens. Merci. Mais non merci, ce que j'ai dit. D'une façon ou d'une autre, tu vas me rejoindre. C'est un boss ? Oh non. Merde. Oh, t'es obligé de faire venir tes mecs. Toutes ces pertes humaines, ces victimes innocentes que tu n'as pas pu sauver. Martin, vous avez leur sang sur vos mains. Tu peux arrêter Osmond. Tu as tellement de force. Je t'offre la détermination. Moi, je suis du père là. Ils sont tombés comme des mouches et tu n'as pas bougé. Je peux pas sauver tout le monde. Qu'est-ce qu'une vie, une seule vie, en échange d'une ville remplie d'armes. Mais tu disais que sauver une vie, c'est sauver tout le monde. Tu m'as menti, Martin. C'est pas cool. Tu défends Osborn, tranquillement installé dans sa tour de pouvoir. Ah parce que pour le moment il est pas devenu le bouffon vert. Montre-moi ta vraie forme. Si il sera devenu le bouffon vert, j'arrêterai de le défendre. T'as rien suivi, tu connais pas l'histoire de Spider-Man. Enfin. Donc, tu vas arrêter tout de suite. Tu arrêtes. Ok, aïe. Tu arrêtes. Non, pourquoi on est là? Vous êtes qui? Ah non, je sais qui c'est. Pourquoi vous faites ça? Salut Bowser. Ya, dans ta gueule! Quel masque? Oh, ce masque! Je vous abandonnerai pas dans les ténèbres, Martin. Attendez. Je... Putain, la lumière. Oh, mes yeux. Mes yeux, ça brûle. Martin, enfin. T'as changé, Martin. Oh, merde, merde, j'ai pas les deux mains sur la manette. What? Comment tu fais ça? En vrai, il a un égoïsme, Spider-Man. Genre, la technologie de sa toile d'araignée, elle est totalement folle. Il préfère des trucs de ouf avec et il la garde pour lui. En même temps, est-ce que c'est mieux que tomber dans le mauvais vin? Mais d'un point de vue médical, je pense qu'elle serait exceptionnelle. Elle colle, elle est hyper résistante. T'aurais plus de problème de suture, tout ça. Tu mettrais un peu de soie d'araignée. Tout va bien? Ils l'ont pris. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Plutôt, oui. Vous êtes populaire, dis donc. Où est le sérum? Ils l'ont. Titiscoya. Bravo, le super-héros. Vous croyez sauver les gens, mais vous faites qu'aggraver les choses. Votre faute. Ma faute? C'était à vous de le protéger. Ah, il vous en faut deux? Assez! Vous devez prévenir Monsieur Osborn. Je vais la suivre. Merci. Je ne l'oublierai pas. Dure journée pour Spider-Man, il s'en prend des patates, hein. Ah, niveau 33. Un point, bon, on s'en fout alors. Yuri,
Dites-moi que vous avez une piste pour retrouver Martin Lee. On a la vidéo d'un témoin dans un café. Apparemment, il est monté à bord d'une berline noire après l'accident. Une berline noire ? Génial. Attendez, laissez-moi finir. On a un morceau de la plaque, et l'un de mes hommes a trouvé une berline noire correspondante dans un parking, à l'angle de Canal et Hudson. Vous êtes extra, Yuri. Je suis en route. Spider-Man. Allô ? Est-ce que ça marche ? Dr. Michaels ? Comment vous pouvez m'appeler ? J'ai emprunté une radio de SAD. Écoutez, les lieux de transit sont les plus exposés à une attaque du souffle du diable. Aéroports, terminaux de bus, car après, ça peut se propager comme un feu de brousse. Comment ça se fait qu'Oscorp développe une arme biologique en pleine ville ? On ne devrait pas plutôt faire ça au pôle Nord ? Norman prend très à cœur le souffle du diable, seul au milieu depuis des décennies. Ce projet va à l'encontre de toutes les lois fédérales et nationales existantes, mais il s'en fiche. Si ça venait à s'apprendre, il peut dire adieu à sa réélection. Laissez tomber la réélection. Il serait jugé à la haie pour crime de guerre. Pourquoi vous me racontez tout ça ? Vous êtes tout aussi responsable que Norman. Oui, effectivement. Mais les actes de Lee m'ont fait comme un électrochoc. On a trop longtemps négligé les risques. Je vous fais confiance, Spider-Man. Vous êtes le seul. Non, on va pas parler de ça, parce que ça m'énerve. Le problème, c'est que si tu prends publiquement position vis-à-vis de ça, tu vas être considéré comme raciste. Alors que ça n'a rien à voir avec du racisme. Oui, normalement, on a assez de jetons pour tout. Doc, allez, ça. Oh non, plus de souffle du diable. Il faut que j'appelle MJ pour la prévenir. Boîte vocale de Mary Jane Watson. Laissez-moi un message détaillé et je vous rappellerai dès que possible. Qu'est-ce que tu fabriques, MJ ? Arrêtez de me faire jouer d'autres personnages, sérieux, c'est chiant. Ça, on est d'accord. Ça, on est totalement d'accord. C'est exactement ce que je disais hier. Ils veulent quelque chose à grande centrale. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien chercher ici ? Je ferais peut-être mieux d'appeler Peter. Ils ont grave bien fait Grande Centrale. En vrai. Il me conseillerait probablement de rentrer chez moi et de me coller à l'ordi. Je regarde vite fait et je le préviens si je trouve quelque chose. Le MED, drone révolutionnaire d'évaluation médicale d'Oscorp. Non mais il tue pas la CL-60. Est-ce que ça va vraiment être fait ? Ça fait tellement un bad buzz qu'il y a moyen qu'il change d'avis. What? Voilà. Je il y a quelques quoi. Années à peine, le camouflage optique n'était qu'un fantasme de science-fiction. Mais avec c'est les dingue, dispositifs de résonance magnétique brevetés au score, ah ouais. Les champs de camouflage deviennent une réalité. Je vais m'en prendre trois direct. Essayez par vous-même. Bien. Jour après jour, Oscorp améliore votre quotidien. Incroyable. En fait, tu peux changer la couleur de la corde peau d'un personnage autant que tu veux, je m'en fous si c'est un personnage qui a pas de backstory incompatible avec les changements. Monsieur Lee. Ce sera plus facile pour tout le monde si vous restez calme. Et faites ce que je dis. Police ! Aidez-moi ! Bah les cons. Non !
Ah mais c'est ça. Ah mais moi, il n'y a aucun problème avec changer. En effet, mais le fait qu'il n'y ait pas de noir dans l'univers de The Witcher, ça prouve que les Polonais sont des gros racistes. Mais c'est pas pour autant qu'en rajouter, c'est une bonne idée. C'est-à-dire que l'univers est quand même tel qu'il est. Il n'y a pas de personnes noires et tout, parce que ça se passe dans un univers où il n'y a pas de gens noirs, c'est tout. Et du coup, en rajouter, ça a des implications qui sont plus que du blackwashing. Je voudrais parler à Monsieur Osborne. Qui le demande? La personne qu'il recherche. Que voulez-vous? Je veux vous voir à la gare de Grande Centrale dans 30 minutes. Venez seul. Ou vous aurez plus de sang sur les mains. Oh, Mary Jane, t'as fait une grosse boulette. Oui, c'est ça. Il a pas... Tant qu'il n'y a pas de backstory sur le personnage. Qui sont limités, par exemple. Sur le point de libérer le souffle du diable. Il faut que tu fixes le camp. Il fera rien tant que Norman Osborne sera pas là. Attends, ça devait être le plan de Lee depuis le début. Rendre Norman responsable en le forçant à relâcher lui-même le souffle du diable. Je comprends la logique. Enfin, une logique de malade mental. Ok, j'y suis. J'entre dans la gare. Est-ce que je dois me méfier de quelque chose? Il a des drones qui montent la garde. Je crois qu'il s'attend à ta visite. T'inquiète, je suis dans le système de ventilation. Tu vois une sortie qui craint rien? Essayez de rester calme. Non. À l'angle sud-ouest. Ah. Ok, j'arrive. Si je m'approche plus, les drones vont me repérer. Vois la tablette que j'ai devant moi? C'est la commande des drones. Tu pourras l'attraper? Oui, à condition que tu détournes leur attention. Et sans te faire tuer. Il est où? Fais-moi signe. Je sais pas si je peux le voir en fait. Ok, je suis prête. Non, c'est un drone. Attention! T'es où, Spidey? Spidey! Je sais pas si on peut le voir et il est bien caché. Enfin. Non mais genre, et ça marche aussi dans les deux sens, hein. C'est-à-dire que je pense que le monde pèterait un câble si tu fais un film sur l'esclavage avec un acteur blanc, tu vois. Sans rien faire. Non! On va tous se détendre. Je suis journaliste. Je suis en contact avec le maire Osborne. Je peux faire en sorte qu'il arrive. Dans les temps. Comment? D'abord, lâchez-le. Mais là, du coup, c'est... En soi, si elle avait pas un... En ça aurait été décevant. Ah ok. Enfin décevant. C'est ça. En soi, ce qui est décevant, c'est pas ça. C'est pas qu'il y ait un perso noir, on s'en fout. C'est que Ciri, de par ses origines, elle peut pas être noire. C'est tout. Et puis même quand t'as un perso qui est ancré dans une image populaire en étant d'une certaine... En plus, elle est vraiment marquée de son point de vue, de son design dans le jeu. Elle a la peau très très blanche. Les drones, à couvert. T'as toujours la tablette? Oui. Il faut pas traîner. Ok, pas de problème. Allez, allez. J'y suis presque. Ça y est. Bien joué. Maintenant, faut que tu sortes d'ici. Le souffle du diable, alors? Je reviendrai le chercher. Non. Partenaire, tu te souviens? On peut voir ça plus tard. Si on n'aide pas ces gens, ils vont mourir. Toi aussi. Et je me le pardonnerai pas. Non. Non,
Je me suis mise dans cette situation, je m'en sortirai. Comment ça tu t'es mise dans cette situation? J'aime pas ça, ils sont beaucoup trop nombreux. T'as qu'à en éliminer quelques-uns. En silence. Ils sont encore trop proches. Ça a marché. Attaque. Ah ah, c'était trop stylé. Non mais... Oui, c'est ça. Élimine-le. Là, si le mec le voit pas. Maintenant. Non, mais c'est vrai. Et à la rigueur, pareil, dans... MJ, tu savais que Lee allait venir ? Pas vraiment. Comment ça ? Je me disais qu'il allait se passer un truc, mais je pensais pas à ça. Pourquoi tu m'as rien dit ? Je croyais qu'on était partenaires. Les partenaires se font confiance, Peter. Comment ça ? Je te fais confiance ? Ouais, quand je suis chez moi, assise devant l'ordi. Arrête ! On peut retourner sauver la ville, si ça te dérange pas. Non, mais par exemple, il y a un truc... Non... Vas-y. À la rigueur, si tu modifies toute la backstory... Même si tu modifies toute la backstory du personnage pour que ça ait un sens qui sonore, pourquoi pas ? Mais Yen, c'est impossible. Tu peux pas créer un peuple. Parce que c'est la fille de l'empereur d'un empire nordique... hyper raciste. Alors certes, ils sont pas racistes des noirs parce qu'il y a pas de noirs dans l'univers The Witcher, mais ils sont quand même racistes les Nilfgaardiens. Oui, mais c'est le sud de la région dans laquelle se passe l'histoire, mais ça reste au nord du au nord de l'univers The Witcher. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ils ont un accent allemand et tout. Genre, en gros, pour la Pologne, c'est l'Allemagne. C'est ça. Enfin, c'est littéralement ça. Hein. C'est... En gros, dans la Téméria, c'est la Pologne. Et le Nilfgaard est l'Allemagne. Non, non, mais c'est ça. Du coup, mais tu vois, pour eux, c'est le sud, la Pologne, l'Allemagne. Mais je te dis, on parle quand même de pays qui sont au nord, d'un point de vue culturel. Et biologique, phénotypement, enfin, comme tu veux, je m'en fous. Ce que je... Donc du coup, ça aurait aucun putain de sens que la dictature totalitaire raciste soit un peuple noir. Parce que les noirs, c'est des mecs sympas, oui. Les mecs sortent des... Genre lui, personne ne le voit si je le dis. Genre son pote est devant, il voit rien. C'est ça. Toi, vraiment, tu te dé... Oh putain, j'ai un peu mal parlé. Mauvaise idée. On va voir là-bas si j'y suis. Non ! C'est un peu de la merde cette séquence. Alors, on va pas se mentir. Ouais, mais même, non, mais il y en a plein des dictatures plus ou moins. Ok, je vais essayer de les séparer. Mais je pensais pas à ça. Pourquoi tu m'as rien dit ? Je croyais qu'on était partenaires. Les partenaires se font confiance, Peter. Comment ça ? Je te fais confiance ? Ouais, quand je suis chez moi, assise devant l'ordi. Arrête ! On peut retourner sauver la ville, si ça te dérange pas. Élimine-le. Vas-y.
Ça pour dire que voilà. Ouais. Parce que même s'ils disent non, mais on laisse Emir blanc, ça sera juste sa mère. Et elle aura sa couleur de peau, voilà, elle sera métisse. Vous imaginez Hitler faire des enfants métisses? Non, parce que c'est à peu près ça. Hein. Bon, il est plus sympa qu'Hitler parce qu'il te permet de faire du Gwent, mais. Le mec est tellement bigleux! Mais cette scène est vraiment. Honnêtement, je la trouve pas ouf. Est-ce que les mecs sont au plafond? Ah, ça par contre, c'est assez rigolo. Ah, j'avoue que ça me da. Ça, c'est des barres. Ça, c'est vraiment des barres. Du coup, on en est où? Ah, mais toi, il y a vraiment quelqu'un qui te regarde ou. Non, c'était trop loin. Ouais. Je vais tous vous émir. Moment, c'est le moment où Spidey faut. Merci. Tous les mecs. Genre tous les mecs que j'ai butés, ils sont tous au plafond. Bah la mère, je sais pas si on sait qui c'est. Mais oui, de toute façon, sa mère, c'est l'ex-femme d'Emir, donc. Deux minutes, pause. Lambert Esquel. Détourne leur attention. Je m'occupe du souffle du diable. T'es sûr de ce que tu fais? Non. Oh, ok. Les bleus doivent être branchés sur la batterie. Et le jaune, c'est la ventilation. Le rouge a un point d'exclamation. Ok. Pour commencer, tu dois retirer les fils de la batterie. Tu suis les fils de l'autre côté et après tu pourras les débrancher. Ok. Débrancher les fils de la batterie. Déjà, celui-ci, c'est sûr. Ok, j'ai enlevé un fil. Alors enlève le deuxième. Merde. Quoi? Le décompte vient de passer à 30 secondes. Ah, c'est un circuit de secours. Et après, le ventilo? Oui, et ensuite le dernier fil. Mais il faut pas que... Bon, maintenant l'orange. Ça y est. Maintenant, faut faire évacuer les gens. J'aurais besoin d'un speeder coup de pouce. T'es prêt? C'est bon? Ah! Ok, je vais libérer le passage. Essaye de rester discret. Ça marche. Ah, mais cette exécution est tellement stylée! Je peux pas en tuer deux au même endroit. Je dois faire attention ou ils font s'en prendre aux otages. Vas-y, encore un petit coup contre là. Oh, arachnophobie, ok. Merde, j'ai pas du tout vérifié s'il était tuable ou pas. Martin, il tient absolument à terroriser New York. Ah, il est visible. Qui c'est qui te voit, toi? Qui menace, Juan? J'avoue que t'as un beau, Renji. Bon, je vais essayer de sauter dans son dos.
Quoi? Alors là, par contre, je comprends pas. J'ai pas la ref, Mook. Fisk aurait jamais fait ce genre de prise d'otage. Ça me fait mal de l'admettre, mais je préférais que c'était lui. Ils sont putain de sang, ils sont putain de nombreux. Bon, toi par contre, toi tu m'as l'air d'être sans danger toi. Ouais. Ouais je sais. Moi je sais, il est mort. Mais je crois que non, hein, Vesemir est obligé de mourir. Je crois pas que ce soit un choix, hein. Je crois qu'il est vraiment obligé de mourir par la Horde Sauvage. Ah d'accord, ok putain. Ça m'a fait beaucoup de peine d'ailleurs entre nous. Sérieux? Moi il est mort. Viens avec moi toi. J'en neutralise encore un ou deux et vous pourriez aller sans danger. Dépêche. Je peux pas traverser. Ah, si. J'avoue, j'ai pas vérifié s'il était sans danger. Hein. Il en reste plus que 5, c'est pas rien quand même. Ah mais il y a lui. Genre j'étais à... Oh non, c'est comme ça qu'on se fait repérer, Spider. Ok. Y a pas un petit point de... Ok, MJ, allez-y. Bien reçu. Suivez-moi, par ici. Comment ça? Toi t'es déjà KO direct, on va pas niaiser toi pareil. Enfin non, peut-être pas direct mais... MJ, vous vous en êtes sorti? Ouais, tout le monde est en lieu sûr. Bien joué. Hey, Peter. Ouais. Quand t'auras fini de ton côté, il faudra qu'on parle. Ouais, ce sera bien. Mais d'abord, trouve Lee et mets-lui une raclée. S'il y a une dent contre quelqu'un, j'aimerais pas... Ok, c'est l'heure du point culture. Saviez-vous que Grand Central possédait le plus grand sous-sol de tout New York? C'est fou, hein? On pourrait caler la moitié du pont de Brooklyn là-dedans. Eh bah dis, c'est fou, ça. Ah bah oui. Ah, je me disais qu'il y a pas moyen de le sauver. C'est que New Yorkais avaient la niaque à cette époque. Ah, j'ai pas le temps de lancer là. Va te foutre, voilà. Hein. Ah, c'est tellement mon arme préférée. Enfin bref. Raconter des anecdotes jusqu'à demain, mais je dois empêcher votre taré de patron de détruire la ville. On finit vite fait. Attends. Oh, va voir. Ah, je peux pas. Il y a prévu un train pour s'enfuir. Je dois pas le laisser filer. L'accès au quai est ouvert. Lee doit se trouver par là. Ah, tu comprends le chinois. Lee va m'échapper. Oh, c'est stylé! Son attitude quand il est dans le négatif comme ça. Et voilà enfin. Pardon pour le retard. Mauvaise habitude. Oh, ça c'est j'aime bien ça. Ils ont fait ça dans Batman Arkham Origins contre Deathstroke. Je sais pas du tout la portée de son attaque, ce qui me fait un peu.
C'est juste des coups de poing en fait, ok. Ouais, mais j'ai mon lance-toile, mec. Et il se recharge tellement vite maintenant. Oh! Oh merde, t'es pas tout seul. Pourquoi est-ce que vous faites ça? Pour régler une vieille dette. C'est tout? C'est tout? Mec, même s'il a tué tes parents, tu peux pas tuer les parents de tout le monde, tu vois. Enfin, c'est genre. Oh, tu prends l'énergie des mecs. Oh, t'es badass, on dirait un démon. Genre un Oni. Par contre, du coup, tu me fais peur alors. Comment ça? C'est quoi ça? Oh, de côté, ok. Oh! J'ai appuyé sur. Ah ouais, mais là, ouais, non, mais là, tu es en train. Tu arrêtes? Tu es un vilain garnement. Ouais! T'as une portée dans les coups de poing, gros? Saut! Croix! J'ai un point de vie! Ah, je peux me soigner. C'est maintenant ou jamais. Vous êtes malade, je peux vous aider, Martin. Ah mais c'est vrai que c'est une drôle de maladie, cette... ce changement de pigmentation de la peau, c'est pas normal. Oh, c'est Matrix. Pardon, ça m'a... En fait, c'est pas... C'est Keanu Reeves. Allez, faut esquiver où maintenant? À gauche. Ça, c'est toujours à gauche. Ça marche aussi à droite? Apparemment. Ah ouais, mais faut esquiver au bon moment, sinon tu décèdes. Ah, là, fallait sauter. J'ai reconnu trop tard. J'ai reconnu trop tard, je suis désolé. Déjà? Ah, je sais pas, moi, je suis en train de lire un truc. Comment je suis censé reconnaître? La distance, en fait, le fait de... ça m'a l'air dangereux, ça. Monsieur, je... vous êtes déjà allé sur les rails d'un tramway? Non? Jamais? Oh, ok. Il est peut-être un peu trop tôt pour parler, c'est d'accord. Non mais c'est chiant, Martin! Arrêtez! Enfin, maintenant je commence à connaître vos patterns. Ah ouais! Non mais ça, ça a l'air dangereux, ça, il faut pas le faire! Je peux pas vous faire de mal! Rien ne peut me faire mal. Plus maintenant. Bon écoute, paf, patate dans ta gueule, patate dans ton torse, enfin patate. Pas de frein, pas de problème. Oh, ça sent que vieux tu te pourris. T'as intérêt à tirer fort. Oh oui. Pour refaire une scène culte. La dernière fois, ça avait marché. Oh oui! Il y a toujours des travaux à l'angle de la 42e? Oui, la rue est fermée pour un mois encore. Pourquoi? Oh, le mec connaît la ville comme sa poche. Hein. Prochain arrêt. La prison. Et le jeu est terminé. Ça serait tellement, tellement, comment on appelle ça? Underwhelming? Je sais plus. Anticlimatique. Oh, ça va être la fin de l'épisode en plus. A plus, merci Oxstar. Ramenez ça tout de suite au labo. En avant. Boîte vocale de Mary Jane Watson, laissez-moi un message détaillé et je vous rappellerai dès que possible. Mais là je suis à la fin de l'arc 2, c'est ça? Dis-moi quand tu voudras parler. Et dans le premier, c'est qui? Les textos, ça compte pas? Genre, je veux dire que le premier arc se termine... Non, 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 c'est pas ce que je voulais dire!
Réponds non, réponds non. Ah, ok, ça va. Eh bah non, ça va pas. Ah, oh, c'est bien une gonzesse. Mais à quoi elle veut réfléchir? D'accord. Tu crois? Ah, mais cette tenue! Mais ce jeu, les graphismes de ce jeu! Attendez, il y a un truc bizarre sur le toit là. Vous avez réussi. Lee est en route pour le raft. Sable a le souffle du diable en main. Ah, d'accord. Comment vous vous sentez? Comment je me sens? Je vous fais la version longue? J'aimerais trop voir le scorpion, le rhino. Jouer les héros, plus j'ai de la paperasse à remplir. Mais je voulais vous dire, beau travail. Merci, Yuri. J'avais besoin de l'entendre. En même temps, je sais que le jeu est loin d'être fini. J'ai pas encore débloqué. Il me reste encore deux trucs à faire, donc j'irai les sables. Je sens que sable, on va devoir attaquer certaines de leurs bases. Et la dernière, je sais pas. Ah bah là, j'ai encore nos trucs verrouillés, vous voyez. Donc, non. 35. Est-ce que je vais bientôt avoir un nouveau... Bon, j'ai deux points, on va mettre quoi? On va terminer les ça, comme ça c'est fait. Au niveau des tenues, du coup, encore deux niveaux avant la prochaine, c'est ça? Ah non, un niveau. Ah ah. Pendant que j'étais avec Lee, je me suis pas occupé de la ville. Il est temps de retrouver l'araignée sympa du quartier. Ah, mission secondaire. Allez, on y va. Je vais voir avec la carte parce que si elle est loin... Oh, il y en a plusieurs, hein. Copain de fac, 1500. Oh, c'est peut-être avec Harry Osborn. Points d'ex. Ah bah tu vois. Et là je pense que on va plus attaquer une organisation. Je sais pas pourquoi parce que... Je veux dire, entre Fisk et donc les démons, je sais pas s'il y a encore d'autres organisations qu'on pourrait attaquer. Donc je pense que sable, ça colle bien. Enfin, c'est que des suppositions. Hein. Mais sable, ça collerait bien. Point de vue, attaque de base. C'est par exemple si le prochain ennemi, c'est l'homme de sable. Ah non, quand tu dis sable. Ok, oui, pardon. Sable, oui. Pas l'homme de sable. Sable, ok. Si le prochain ennemi, imaginons, c'est l'homme de sable ou scorpion. Ils ont pas une organisation derrière eux, quoi. Qu'est-ce qui vous fait dire ça, cher agent? Fisk va être relâché. Ça m'étonnerait. On a des preuves de ses crimes sur des dizaines d'années. Lui maintenant. Le camion qui les transportait s'est fait braquer. Les disques durs et tout ce qu'il y avait dessus ont disparu. Le gros Willy s'en sortira pas comme ça. Je retrouverai ces disques durs. Bon, réfléchissons. Voilà. Toutes les preuves enregistrées reçoivent un radio-identifiant. Si je suis ce marqueur, je devrais pouvoir retrouver les disques durs. Il faut faire vite. N'empêche, là, je suis en train de me dire un jeu Spider-Man, Iron Man. En monde ouvert comme ça, pourrait y avoir des trucs de ouf, hein. Genre sur Los Angeles, tu pourrais voler super vite dans la rue et tout. Bon, après, le système de combat pour Iron Man, je sais pas si tu pourrais faire un truc super bien. Ça serait peut-être plus une sorte de shooter. Mais en vrai, je pense qu'il y a moyen de faire des trucs. Pareil, t'auras tout le système de costumes. Apparemment, ils ont pas encore détruit les disques durs. Il est temps de gâcher la petite fête de retour de Willy. Allez, on a les disques. Pourquoi on les détruit pas? Faut qu'on s'assure que c'est les bons. Les techniciens sont là dans pas longtemps. Eh, soyez au taquet. Si on foire la livraison, on est tous des hommes. Super.
Allez, passe en hors de danger, s'il te plaît. Je veux pas t'attaquer. Genre. Bon, tant pis. Personne sera assez débile pour quoi, pardon? Allez, t'es la ninja. J'ai vu des gens se battre mieux que ça pour un nouveau smartphone. Personne s'est battu, personne savait que j'étais là. Les disques durs sont intacts. Parfait. C'était trop rapide. J'ai renvoyé ça au commissariat de Hell's Kitchen. Moi, ça, ce qui me fascine vraiment, c'est à quel point les tout est détaillé dans le jeu. Alors que tu passes la majorité de ton temps à voler, quoi. Quand tu compares à Prototype, bon, Prototype c'est du 2009. Putain, Prototype date de 2009. Prototype va avoir 10 ans cet été, l'été prochain. Ah, je suis choqué. Bref, quand tu vois Prototype, la ville elle est pas aussi détaillée, mais bon, voilà, y a 10 ans d'écart. Ok, autant pour moi. Je pensais pas. Genre là, pour le coup, je vais pas vous mentir, je suis un peu choqué. Fisk va rester là où il est. J'ai retrouvé les disques durs. Comme par hasard, vous saviez où les trouver? Je commence à croire que vous travaillez vraiment avec le Kingpin. Vous êtes sérieux? Je les aurais volés pour les rapporter après? Vous croyez pas que j'ai mieux à faire de mes journées? Oh non. Rocket! À couvert! Ouais, mauvais réflexe. J'ai complètement oublié de faire la fin de l'épisode. Vous en faites un peu trop! Here comes the rain! Oh, qu'est-ce que tu fais? Et va voir en bas si j'y suis, ok? Ouais, mais c'est différent. The Division, la ville, elle est beaucoup, beaucoup plus petite. Genre, The Division, en termes de surface, je pense que c'est ce quartier-là. Sauf que là, il y a aussi tout ça. Tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Tu vois ce que je veux dire? J'avais entendu parler du cloud. T'es con toi. Ah, j'essaie d'esquiver avec R2 depuis tout à l'heure. Et c'est un peu con, certains diront. Alors toi, tu vas rester contre ton mur. Passer dessus avant de vous atteindre. J'aurais pas lancé la bombe d'étoile du coup. Non, The Division c'est soit de la coop, soit il y a une zone en multi, c'est une zone à instance, et c'est assez stylé, le concept est super cool. C'est une zone en fait, si tu rentres, c'est permadeath, enfin, tu perds tout ton équipement et tout si tu meurs, si tu t'es tué dans la zone, c'est ça non? Je sais plus exactement, j'ai plutôt joué mais je suis pas allé dans cette zone, ça m'a pas intéressé plus que ça. Mais je comprends. Ah putain, mais. Dans ta gueule! Mais pourquoi ça le tue pas? C'est une roquette quand même! Attendez, je viens de faire quoi? Faut que je me régène, sinon je vais crever comme un caca. Réussir à monter. Sont les 10. Il a trouvé un chat. Allez, on y va. Mauvaise réponse, poulet. Bonjour. Je viens vous parler de
La toile d'araignée, vous connaissez ce matériau hyper résistant? C'est assez craqué là. Je l'ai tout suivi d'un coup. Ouais, mais tu peux le faire en solo la plupart du temps. Je vous demande pardon. Je me trompais sur vous. Jameson est un imbécile. Mais oui. Merci, ça fait plaisir. Juste une question. C'est vrai que vous venez d'un autre monde? Oui, on l'appelle le Queens. A plus. Je suis en train de me barrer au fond. Non, moi je te parle pas de forcément de performance, je parle de perf, enfin de détails, etc. De artistique, pas de performance technique. Non, mais c'était spécial. Moi, je suis pas un énorme fan de The Division. J'ai passé des bons moments dessus. Hein. J'ai joué une petite vingtaine d'heures. Ok. Tout a l'air plus ou moins sous contrôle. Il serait peut-être temps d'envoyer Peter Parker. Et il est temps surtout de finir cet épisode. Je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner pour la suite du Let's Play. Salut à tous.